Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite chronique au sujet de Nuit Macabre de Christelle Maurice. Alors avant tout, je m'excuse pour cette luminosité mais actuellement je parais blanche comme un cachet d'aspirine parce que dehors il fait un temps orageux, du coup la luminosité n'est pas super bonne. Du coup je suis désolée parce que là si j'allume, voilà, ça fait une lumière jaune et c'est pas des plus agréables. Donc vous allez faire avec. Donc, Nuit Macabre de Christelle Maurice, c'est un partenariat avec une auteure auto-éditée que j'ai reçu en début de semaine et que je viens de finir maintenant. Alors, déjà la couverture en dit très long sur l'histoire, moi je la trouve vraiment superbe avec la forêt et les yeux aussi qui parlent aussi très bien du roman. Donc, on va commencer par les choses qui m'ont déplu. Elles ne sont pas nombreuses, mais c'est juste pour vous prévenir, vous lecteurs, pour que si vous décidez de lire ce livre, que vous ne soyez pas surpris et pour que vous puissiez avoir une lecture agréable. Voilà. Ensuite, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout ce qui est bien parce qu'il y en a beaucoup aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, c'est qui m'a dérangé un chouïa, hein, pas beaucoup, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Parce qu'il faut savoir que cette histoire se passe majoritairement dans une cathédrale et au niveau de la description j'arrivais pas vraiment à me situer les lieux parce que c'est un vocabulaire qui est pas souvent utilisé dans les bouquins, qu'on ne connaît pas forcément et du coup j'ai eu du mal vraiment à m'imaginer les lieux. Mais voilà, c'est tout, c'est juste ça que je voulais vous dire. Donc s'il y a certains mots que vous ne comprenez pas, ce que j'aurais dû faire moi aussi, allez chercher sur internet ou autre pour que vous puissiez mieux vous figurer où se passe l'histoire parce que c'est vraiment, je pense si on connaît tout le vocabulaire et qu'on sait exactement de quoi parle l'auteur, que vraiment on peut se faire un film magnifique dans la tête parce qu'au final, j'ai réussi quand même à faire quelques images et ça peut vraiment nous donner quelque chose de pas mal. Les lieux ont vraiment l'air magnifiques, en tout cas Christelle Maurice s'est donné un mal, un très très grand mal pour donner vie à ce livre avec une description très précise. Donc voilà, c'était juste voilà, le seul petit mémoire, c'était ça au niveau de la description des lieux. C'était un petit peu peut-être trop précis je pense, ou alors un petit peu fouillis. Enfin bon, c'est pas quelque chose de grave, c'est juste que voilà, je vous préviens. Mais voilà, ce petit problème avec la description, ça se joue que dans les deux premiers chapitres. Parce que après, dès que j'ai passé les deux premiers chapitres, voilà, j'ai lu, mais d'une traite, j'ai lu plus de la moitié du livre en une seule après-midi. Et j'ai dû me forcer à lire le dernier chapitre aujourd'hui pour que je puisse vous faire une vidéo à chaud avec mon avis. Parce que bon, si je le finissais hier soir, je m'en voyais mal filmer à minuit du soir. Voilà. Donc... ce petit bémol passé, l'histoire, trois étudiants, Léa, Jeffrey et Lucas, donc trois étudiants en journalisme, vont vouloir faire un reportage au sujet d'une cathédrale Saint-Étienne dans la ville de Toul. Sauf que l'un des trois va faire une petite connerie dans une salle où il fallait pas forcément entrer, avec une petite boîte qu'il ne fallait pas forcément toucher. Et ça va foutre un énorme bordel, il faut le dire, dans la ville de Toul. Et il va se passer plein de rebondissements. Une enquête va être ouverte. On va retrouver plusieurs personnages, dont le personnage de Gérassia, que j'ai plutôt pas mal apprécié. Ensuite, il y a le personnage de Benjamin, que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si son côté un peu sceptique me dérangeait au début. Mais au final, en fait, la fin de ce personnage se finit vraiment très très bien. Ensuite, le personnage d'Antoine est vraiment super touchant. Donc Antoine, c'est un papy, le grand-père de Benjamin. Et leur relation est vraiment super touchante. Antoine possède une connaissance absolue des lieux de Toul. Donc ça nous rend encore plus... ça rend encore cette histoire un peu plus vraie. C'est-à-dire qu'on croit vraiment que... Je sais pas comment vous expliquer, comme si on avait un guide touristique dedans, dans le livre en fait, qui nous fait visiter les lieux de Toul. Ensuite, il est probable que vous soyez au courant que moi et les enquêtes policières, c'est pas trop mon truc. Parce que j'ai l'impression qu'on va à droite, on va à gauche, et puis non en fait on va au milieu, puis après on va à gauche, puis on va à droite, enfin bon.
Voilà, j'aime pas trop ce changement de direction, moi j'aime bien quand ça va tout droit au but, etc. Mais là, l'enquête qui est menée là-dedans me plaît vraiment beaucoup, parce que l'histoire est découpée en deux parties, on va dire ça comme ça, deux, trois parties. La partie avec les meurtres, j'ai adoré, et la partie avec l'enquête, les deux se complétaient vraiment très très bien, et ce qui rendait l'enquête vraiment addictive, ce qui explique pourquoi j'ai dévoré carrément ce livre en une après-midi presque. Donc voilà. Ensuite, autre point positif, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup. Autre point positif, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la notion du temps est assez présente dedans. Et j'ai beaucoup aimé parce que dans l'histoire, ça a ramené une petite pointe de curiosité et on essaie de savoir ce qui s'est passé dans ce laps de temps en fait. Et pourquoi, comment, qui, etc. etc. Un autre point important, c'est le style de l'auteur. Alors c'est un livre qui est écrit à la troisième personne du singulier. Vous savez que j'ai un peu de mal avec ces livres, mais en ce moment, ça passe comme ça passe. Et là, ça m'a pas vraiment dérangé. On a accès à plusieurs points de vue différents, c'est-à-dire qu'on ne reste pas stagné que sur un personnage. On est un peu de partout. On est omniprésent. On sait qu'est-ce qui se passe. On sait ce qui se passe de partout. Donc ça c'est vraiment super. L'auteur a une écriture assez fluide, du coup on est blablabla. Du coup ça se lit vraiment. Ouais. Du coup ça se lit vraiment tout seul. Et puis après ce qui rend aussi la lecture facile c'est que c'est écrit très gros. Voilà. Donc ce qui n'est pas plus mal hein, pour des yeux de myope. Voilà. Ensuite le dernier point positif est que ce livre se passe en France. Et du coup, j'ai vraiment, 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 vraiment pas l'habitude, ni l'occasion, à vrai dire, de lire des bouquins qui se passent sur notre beau pays. Voilà. Parce que à chaque fois, c'était dans les pays Amérique, Mexique, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pratiquement pas beaucoup lu de livres qui se passent en France. Donc, encore un bon point pour Christelle Maurice. Donc au final, les mauvais points entre guillemets que j'ai développés au début de cette vidéo sont très 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 moindres et beaucoup moins visibles vis-à-vis de ces bons points que j'ai énumérés. Donc voilà. Donc au final pour moi cette lecture est une très très bonne lecture, certes avec un début un petit peu lent, mais bon c'est l'histoire de deux chapitres donc ça passe vraiment très très bien. Donc pour moi ce livre est une très très bonne découverte. C'est un tome 1. J'espère découvrir le tome 2 parce que cette fin ne me plaît pas du tout, Christelle. C'est pas bien de me mettre une fin comme ça parce que moi après je vais encore avoir faim et je veux savoir comment ça se termine. Voilà. Donc voilà, pour moi cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous invite fortement à discuter avec l'auteur si vous avez l'occasion et vous procurer son livre. Je vous mettrai tout, tout. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder. Voilà. Donc je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.